Salut les amis, c'est Icing News, bienvenue dans ce nouvel épisode de Football Manager 2016 avec le Stade Malherbe Caen. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode bien particulier car c'est notre premier derby. On va jouer contre le Havre, le derby normand. Alors, on s'était quitté contre Lille où on avait gagné 2-1. Eh bien, on a eu une étrange défaite juste après. On a perdu 4-2 contre Niort, incroyable. Bon, on s'est rattrapé 2-0 face à Dijon. Là, donc, on va jouer contre le Havre, notre éternel rival, le rival de toujours des Canets. Donc, on est actuellement, au bout de 11 journées, on est 9e, avec 15 points. On est à 4 points de la, on est à 4 points de la 4e place, donc c'est pas si mauvais que ça. Et on va jouer donc contre le Havre, qui est dernier. Donc, on espère faire quelque chose de pas mal. De bien en tout cas. Donc voilà, ça va être le premier derby normand. Oui, puisqu'ils étaient, le Havre est monté, ils étaient en Ligue 2 l'année d'avant, donc ils sont montés cette année. Voilà. Donc l'équipe, eh bien, c'est, j'ai envie de dire, c'est presque une équipe type. On joue en mentalité normale, 4-4-2, hein, depuis quelques matchs, hein, je vous avais dit lors de la dernière vidéo. On attaque Diabaté Delors, Diabaté qui a 3 buts, tout comme Nsamé qui sera notre attaquant remplaçant. Pied à gauche, Aubertan à droite, Ferré et Flamini au centre. Ben Youssef, Da Silva et Mourou Konko, ça c'est classique. Et Vercoute dans les buts. Donc voilà, sinon au niveau des blessures, on a Kevin Perrault et Le Borgne qui sont blessés, mais bon, c'est des remplaçants, donc c'est pas encore tout à fait trop gênant, j'ai envie de dire. Alors, le Havre a des difficultés à domicile en ce moment et à mon avis ça va continuer. Je vois le Stade Malherbe Caen s'imposer. Ok. Vous n'avez pas fait appel à Vincent Bessat, cela est dû à sa récente blessure. Oui, Bessat était blessé. Oui, tout à fait, il n'est pas suffisamment rétabli pour ce match et il est important de ne pas précipiter son retour et un risque de rechute. Donc, la composition du Havre, bah, Duhamel, hein, l'ancien Canet, Bonnet, Boutadjine, alors je connais pas trop, Fontaine, Matila, Lécal, Mendy, Cambon, ah oui, Cambon qui devait jouer à Evian avant, je pense, Fortes, Chebac et Farnol. Ok, donc c'est pas mal. Alors, passer aux consignes. Presser Alexandre Bonnet. Ok. Il est là, Alexandre Bonnet. Toujours, on va marquer Duhamel. Voilà. Notre causerie. Nous devrions demander aux joueurs de continuer sur la lancée du dernier match. Avec assurance. Nous partons favoris aujourd'hui, alors donnez-nous l'occasion de faire la fête, à nos fans de faire la fête. Voilà, paru motivé, très bien. Bon, moi bah, j'ai plus qu'à lancer ce match. Alors, c'est parti. Havre, Caen, le Havre, Caen, premier derby de notre Football Manager 2016. C'est parti, avec les Havrais sur cette première occasion, sur ce coup d'envoi. Fontaine, Attila pour Boutadjin, Chebac. Voilà, aucun danger pour Vercoute. Alors les Havrais qui sont derniers du championnat, alors ils vont sûrement vouloir bien faire contre nous. Forcément, c'est toujours un match avec une saveur particulière, un derby. Lionel, la preuve c'est eux qui ont les occasions pour le moment. Flamini va chercher Diabaté et Diabaté qui est passé. Mais non, ça ne donnera rien. Une blessure pour le Havre d'Alexandre Bonnet. Ok. Mendy. Attention à ce centre de Mendy. Il y a vrai pour des derniers qui se montrent dangereux. Hein. Jérémy Pied cherche Diabaté Ferré. Jérémy Pied qui cherche dehors. Oh, première frappe canaise à la 10e minute. Ok,
corner de Canet. Ferré, Andy Delors qui remet dans le tas. Ben Youssef, oh là là, la transversale. La transversale qui sauve le Havre. Imorou. Cheikh Diabaté, Imorou. Mathieu Flamini. Andy Delors qui obtient le corner. Jérémy Pied da Silva. Ben Youssef. Faute de Mathieu Duhamel et un coup franc intéressant pour Malherbe. Julien Ferré. Il fait dégager en touche. Dans le stade Océane. Jérémy Pied pour le coup franc et c'est détourné. Non, c'est ainsi là. Stade Océane, nouveau stade du Havre. Une ou deux saisons. Un très beau stade. Jeu de Diabaté. Da Silva. Alors que les Canets sont un peu plus présents, ils sont en train de poser le jeu. Attention, je dis ça au moment où on perd le ballon. Benjamin, tais-toi. Mais tais-toi des fois. Duhamel. Duhamel. Duhamel, ouais. Le match s'avère particulière aussi pour Duhamel. Derby, mais aussi contre son ancien club. Ferré, le corner. C'est pas fini. Ferré, de nouveau, centre. Gabriel Aubertan. Andy Delors. Et nouveau corner pour Malherbe. Jérémy Pied. Da Silva. Mais non. Farnol a intercepté. Cambon. Attila. Oh. Au-dessus. Duhamel, attention à cette occasion à Vraise. Mendy. Jérémy Pied pour Diabaté. Diabaté, peut-être un contre Canet. Diabaté, non. Mais Canet pose le jeu. Imorou. Julien Ferré. Jérémy Pied. Andy Delors. Andy Delors pour Cheikh Diabaté. Oh, hors jeu. Une demi-heure de jeu. En première période, toujours 0-0 entre les deux clubs normands. Aubertan, ballon perdu par Aubertan. Ce sont les Havrais peut-être. Attention à Boutadjin. Mendy. Total. Duhamel. Duhamel. Mais non. Vercout, c'est bien couché. Alors, qu'on approche de la fin de cette première mi-temps. Fontaine. Julien Ferré pour cette interception canaise, mais non. Fortes est à la récupération. Match pour le moment assez équilibré entre les deux équipes, des occasions des deux côtés, mais personne n'a pu conclure. Attention à Duhamel qui frappe largement à côté. 4e minute, 2 minutes de temps additionnel, 0-0 entre les deux équipes. C'est donc la mi-temps. Causerie de la mi-temps, avec assurance. Qu'est-ce qu'on va pouvoir le dire? Ne baissez pas le rythme et la victoire sera à nous. Voilà. Bon, il n'y a que Delors qui a paru enchanté, mais bon, les autres, ça va, écoutez avec intérêt. Ok, bon bah, on lance la deuxième période. Delors, Diabaté, Flamini. Ben Youssef, Aubertan, Andy Delors, Andy Delors, Andy Delors. Julien Ferré, oh non, ballon perdu. Minute, dégagement des Havrais. Chabac. Interception Mathieu Flamini pour Andy Delors, mais non. C'est pas passé loin. C'est une canne. Charnel qui va dégager.
Poulpo pour Andy Delors. Andy Delors. Andy Delors, la frappe. C'était un peu loin quand même. Mais c'était cadré. Quatrième minute, toujours 0-0. Attention à ce coup franc du Havre dans le mur. Oh, 60e minute. Ah, j'allais mettre pause, mais il y a une action. Mendy. Attention à ce contre du Havre. Attention les gars, non, c'est à côté. Alors on va faire un premier remplacement. On va remplacer Flamini par le Talek. Flamini qui était un peu fatigué, qui même s'il faisait un bon match, n'était pas le meilleur. Donc Damien le Talek. Konko. Andy Delors. Damien le Talek qui vient de rentrer pour Julien Ferret. Gabriel Obertan. Gabriel Obertan dans le petit filet. Dégagement de Vercoutre. Duhamel. Moreau défend bien. Ben Youssef. Konko. Obertan. Ça se coule. Obertan cherche Diabaté. Diabaté qui trouve Jérémy Pied. Jérémy Pied pour Julien Ferret. Le Talek. À cette action à Havraise. Mendy et l'arrêt de Vercoutre. Brian Obertan qui dégage. Dégagement qui ne donnera rien, ça retombe dans les pieds à vrai. C'est deux remplacements avec la sortie de Duhamel et de Boutadjian. 70e minute. On va faire un nouveau remplacement. On va sortir Diabaté qui est fatigué. On va le faire remplacer par Nsamé. Hop. Gamboa. Bonne défense de Jérémy Pied. Peut-être pour un contre. Jean-Pierre Nsamé qui cherche de l'or. Delors, Delors pour Nsamé, Nsamé la frappe et un but! Oh quel but magnifique de Jean-Pierre Nsamé! Le remplaçant qui vient de rentrer, premier ballon et but! Incroyable sur cette passe de Delors, Nsamé qui se retourne et qui frappe d'instinct! Oh là là, une frappe lointaine magnifique! Magnifique! Quatrième but d'Nsamé, incroyable! Une frappe qui vient d'ailleurs là. Alors qu'on nous dit que Konko est blessé. Donc on va le remplacer par Aladur. Confirmé. Alors 1-0 pour Malherbe. Maintenant il faut tenir. Et pas se faire revenir au score, la frappe, mais c'est au-dessus du but de Vercoutre. Vercoutre. Ferré, attention à Gamboa. Jambert. Fontaine. Attila, oh la parade de Vercoutre. On va passer en contre. Parce que là, les Havrais se font pressant et c'est au-dessus. Nouveau corner. Ferré qui dégage. Attention à Chebac. C'est à côté, c'est une sortie de but pour Malherbe. Vercoutre. Julien Ferret, Julien Ferret pour Andy Delors. Andy Delors, le centre. Ouh là là, l'occasion canaise.
Interception d'Aubertan. Aubertan sur le côté droit. Aubertan. Aubertan, il obtient le corner. L'ancien joueur de Newcastle. Jérémy Pied. Jérémy Pied. Non, ça ne donnera rien ce corner. Alors qu'il y a 3 minutes de temps additionnel. Il mourut. Pour Jérémy Pied. Jérémy Pied pour Nsamé. Nsamé pour Jérémy Pied. Julien Ferré. Ah, c'est pas allé jusqu'à Delors, c'est dommage. Attention au contre du Havre. Abani. Mendy et c'est Aubertan qui fait opposition de son corps. Corner. 2 minutes à jouer. Attention à ce corner. Oh là 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 là. L'égalisation. L'égalisation dans les arrêts de jeu. Oh là 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 là. Je suis dégoûté. C'est pas ça que je voulais voir. C'est fini. C'est fini. Alors là, je suis dégoûté. Un but sur la dernière occasion. Ouais, j'ai tellement dégoûté que j'ai cliqué n'importe où. Oh là là là. En un mot comme ça, c'est très insuffisant. On aurait dû remporter ce match. Oh, quoi qu'ils ont quand même eu des notes, là ils ont pas de peau quoi. On va dire que calmement, vous avez manqué de réussite aujourd'hui. Voilà. Bon. Alors là, je suis quand même dégoûté. Parce que franchement, un but comme ça, alors qu'on avait la victoire, but contre son camp à la 92e de Vercoutre. Là, c'est vraiment pas de peau, quoi. Donc, au classement, bon, les autres n'ont pas encore joué. Du coup, on est 9e avec 16 points. C'est notre premier match nul de la saison. Voilà. Bon, eh bien, on va se quitter là-dessus pour cette vidéo. Une fin un peu en queue de poisson, je dois dire. Je vous avoue que je suis un petit peu... J'ai les pattes coupées, là. Bon hold-up des Havrais, j'ai envie de dire. Voilà. J'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. ou à vous abonner. Voilà, je vous dis à toutes et à toutes une très bonne journée, soirée. Et à bientôt. Salut tout le monde. Ciao.